Nous sommes à la Procure avec Pierre Manin. Nous sommes toujours très heureux de le recevoir pour son nouveau livre paru chez Flammarion, Montaigne, la vie sans loi. Alors pour ceux qui suivent Pierre Manin depuis longtemps, c'est peut-être une surprise de voir cet essai sur Montaigne, même si on n'est pas complètement perdu par rapport à votre œuvre. Mais peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à Montaigne. Et avez-vous plongé là dans son œuvre, voilà. Et quel sens ça a dans votre propre œuvre à vous? J'ai rencontré Montaigne, je peux dire les choses ainsi. Je ne savais pas que j'en ferais un livre. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, à me faire une idée de ce qu'il voulait dire. Et donc ça a été comme une rencontre avec une personne, donc une rencontre personnelle. On essaie de se comprendre, on y arrive, on n'y arrive pas, on lutte. Et voilà, c'est 15 ans, si vous voulez, d'un commerce avec lui, d'une vive confrontation. Et au bout de ces années, je crois être arrivé à comprendre à la fois... Vous allez dire que je m'avance beaucoup, mais à comprendre à la fois ce qu'il pensait, ou du moins une partie de ce qu'il pensait, et surtout, plus encore, la manière dont il explique ce qu'il pense, et la manière dont il explique comment il faut le lire. Donc voilà, ça a été une découverte, ça a été la découverte d'une œuvre singulière, motivée par tout simplement la force singulière de cet auteur, qui me posait, en quelque sorte, qui s'imposait à moi, et qui me posait une question, une difficulté particulière, qu'en faire et comment le comprendre. Alors, la relation avec le reste de mon travail, c'est simple, c'est que la découverte, l'approfondissement de cet auteur ouvrait des perspectives sur ce qui me préoccupe, vous le savez, depuis presque toujours, à savoir comprendre ce que nous appelons monde moderne, homme moderne, projet moderne, modernité. Bon, question que j'ai explorée de diverses façons, à partir de divers auteurs, et je me suis rendu compte que Montaigne était un des auteurs qui nous permettait d'entrer le mieux dans cette question. Voilà, et je pense que pour ceux qui vous ont lu depuis longtemps, ce sera une manière d'approfondir et d'élargir le champ. Et puis pour ceux qui ne vous connaissent pas trop et qui s'intéressent à Montaigne, peut-être d'avoir quelques surprises. Merci beaucoup Pierre Manin. Merci.